Depuis toujours, les Normands, peuple de navigateurs, ont entretenu un lien très fort avec la mer. Ils ont ainsi conquis la Sicile et le sud de l'Italie au XIIe siècle. La découverte de l'Amérique au XVIe va leur apporter de nouvelles perspectives. Cette exposition baptisée « Les Hauts Normands et la mer » propose justement de découvrir combien la mer et la navigation ont joué un rôle très important dans l'histoire du département. On découvre notamment un document exceptionnel, le journal d'un corsaire. Il raconte des aventures extraordinaires, les aventures de Jean Doublé, qui est un corsaire de Honfleur, qui a été fait prisonnier deux fois par les Anglais et puis les Hollandais, qui a subi des naufrages et qui a fréquenté toutes les mers du globe. La navigation est abordée à travers les progrès techniques, la cartographie ou encore les rudes conditions des voyages en mer. Le commerce et la pêche sont évoqués, tout comme la traite négrière. Un livret de visite a été créé à l'attention des scolaires pour les aider dans leur parcours. Et un cycle de conférences de spécialistes accompagne également l'exposition. Pour en savoir plus, www.archivesdepartementales76.net.